Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue sur Curious Expedition 2, l'expédition curieuse, le second. Oh là 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 là, bonsoir à tous et bienvenue en tout cas pour cette petite vidéo de présentation de Curious Expedition 2, un jeu qui est sorti ce janvier 2021 et dont la version 1.0 a été perfectionnée. Là je crois qu'on est à la version 1.6 si je dis pas de conneries. Ils ont réglé des tas de bugs, c'est fantastique, c'est fonctionnel, c'est génial. Et ce jeu, pour y avoir très brièvement testouillé, a l'air de reprendre les codes du premier, mais en bien. C'est-à-dire, c'est une bonne suite, comme Assassin's Creed 2, vous voyez. C'est une bonne suite dans le sens où ça te donne, entre guillemets, la même chose, en mieux, en plus amélioré, en plus poussé, avec plus de contenu, des meilleurs graphismes. Bref, ça nous donne... C'est pas une suite déconnectée du premier, tu vois. On est là, on est dans les bonnes refs, et on y va direct avec un style graphique qui est complètement pompé sur RG. RG dans sa tombe qui se retourne à une vitesse de ventilateur. C'est une OPSP, et le jeu a été développé par Machine and Mensch. Je sais pas comment on prononce ça, c'est de l'allemand, Machine and Mensch. Donc les hommes-machines. Voilà, bref, le jeu a été développé en Allemagne par la machine. Voilà, donc la violence absolue. Et ça a été publié par Thunderful Games. Et je me dis, la violence, quoi. Entre l'homme-machine et Thunderful Games, les Allemands, ils savent pas faire des ils savent pas faire des noms qui sonnent pas ultra épiques, en fait. Je crois que, voilà, ils savent pas, c'est ça qui est bon. N'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description pour télécharger Curious Expedition 2 contre de l'argent, c'est comme ça que ça marche. Et aussi, vous aussi, me faire part de vos aventures rocambolesques, telles les Tintins du Pilier fusionnés, mutants, qui cherchent le masque de Milou. Ouais. ou Picsou qui perd ses trois neveux. Voilà, c'est... Cherchez pas. Je me rappelle comment tout a commencé. Voulez-vous que je vous raconte? Ah oui, c'est en français aussi, direct. Hein. Lancez l'expédition d'intro, allons-y. Découvrons ensemble. On connaît le principe, mais... Les personnes trop confiantes sont inconscientes, mais il faut parfois faire preuve d'inconscience pour accomplir de grandes choses. Je revenais d'une expédition de routine au Pérou, lorsque nous avons vu une grande tempête se lever à l'horizon. D'accord, au niveau du son, on dira si c'est correct. L'équipage se préparait à la contourner, mais j'ai aperçu des terres au milieu de l'Atlantique, une île qui ne se trouvait sur aucune carte. L'île de la Xbox, PlayStation et Switch bientôt. Les trois plateformes que j'ai pas dit sur lesquelles le jeu sorti, mais que je suis contractué de vous faire. ColecoVision. Bref. Bravant les protestations du capitaine, j'ai donné l'ordre de mettre le cap sur l'île. L'équipage, tremblant de peur mais obéissant, a dirigé le bateau vers le cœur de la tempête. Ouah, il y a déjà... Mais... Bon bah... on est dans les années 90. Le premier qui meurt, c'est un noir. Ça va vite. Suivi très rapidement par son pote, la tempête se déchaînait avec une violence inouïe. Un étrange brouillard nous enveloppait tandis que la foudre s'abattait autour de nous. Le fracas des vagues menaçait de déchiqueter le navire. C'est vénère quand même. Les mecs, ils vont avec un bout de bicoque en bois sur des trucs avec des vagues comme ça. Faut respirer fort quand même. Oh là là, avec les petites animations et tout. J'aime bien, tu as des trucs qui bougent indépendamment. Les oiseaux, mieux animés que je dirais pas d'autres jeux parce qu'on va pas parler des autres marques. Alors que notre mort semblait certaine, nous avons émergé du maelstrom pour nous trouver dans un calme presque parfait. Je suis curieux de l'étymologie du mot maelstrom. Oh well. Nouvel objectif, explorer l'île. 5 minutes, 2 morts. Ils ont battu Game of Thrones. Et ça se finira sans doute mieux. En face de nous se trouvait une île tropicale luxuriante. Une fois la tempête derrière nous, nous nous sommes empressés de jeter l'ancre pour découvrir les merveilles qui nous attendaient sur cette terre inexplorée. Oh là 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 là! La femme qui a hypé pour explorer des terres vierges! Aïe aïe aïe! Vamos a penetrar! Je connais bien cette route, il n'y avait pas d'île ici. Alors comment elle s'appelle, elle? Cette dame avec ce cache-œil stylé? Parce qu'elle a l'air d'avoir une grave cicatrice, moi ça m'excite. En plus elle a les cheveux un petit peu blancs là. C'est comme le vin ça. Par contre lui il est. On voit son poil au menton, il l'a mais jusqu'à la glotte. Quand t'as du poil à la glotte, tu sais que t'es viril. Hein. Lui par contre, clairement, on l'a ramené du Pérou. Il parle pas la langue. Clairement, il est venu pour mourir. Allons-y. Attendez, je peux bouger la caméra? Oui, attends. Il faut que je me mette en QWERTY. Ok, très bien. Placer un point de passage. On sait comment ça marche, Curious Expedition. Objectif, découvrir l'île et découvrir sans doute la pyramide dorée.
On a de l'énergie, 100 points d'énergie qu'on voit au à droite. Et là, on peut voir et planifier le déplacement et ce que ça nous coûte. À savoir qu'il vaut mieux prévoir des longs déplacements puisqu'il y a un coût minimal en énergie de déplacement, comme vous pouvez le voir. Du coup, allons-y. Voyageons. Oh, c'est trop mignon! Les poupées vaudou! Chaque déplacement coûte de la santé mentale. Vous payez un coût minimum à chaque fois que vous en vous déplacez. Moins se déplacer, donc plus efficace. Tout à fait. Là, ce sera plus central. Voyageons. J'ai bien, chaque coup coûte de la santé mentale. On a fait 30 pas depuis le bâton, on est déjà fou, tu vois. Oh non! Oh non, des arbres! Mika qui craque psychologiquement à une vitesse folle. Allons-y. Un lieu inconnu a été approché. Découvert. Approchez-vous à moins de 2 cases pour le découvrir. Allons-y. Vamos a penetrar. Et même, attends. Ah, j'aurais dû. Tant pis. Tant pis, je regretterai. Oh. Explorer l'épave. Un vieux navire fascinant. Quand je fais. À explorer l'épave. Très bien. Il faut encore s'adapter à ce nouveau style. J'ai fait une découverte extraordinaire. L'épave de ce qui semblait être un ancien navire militaire britannique. Comment avait-il bien pu arriver ici? Cela n'augure rien de bon. Ah, seul. Attends, quelle voix c'était? Cela. Attends. Oui, alors oui, cela n'augure rien de bon. Voilà, très bien, celui-là, très bien cette voix. Prenez garde, camarade, faites attention, il vous arrivera rien. Très bien. À chaque pas que nous faisions sur cette île étrange, nous semblions faire face à de nouveaux mystères. Fouillons le navire. Nous avons éprouvé la solidité des planches vermoulues avant de pénétrer dans le navire, procédant à une inspection minutieuse. Après un certain temps, on a trouvé plusieurs objets de valeur. Une pelle, 3 pelles et 7 bâtons de dynamite. Prenez tout. On a tout pris. Impasse, utilisez la dynamite. Ah, ils ont gardé cet élément de gameplay. La culture. Oh. Rien ne se dressera sur notre route. Elle est vénère, hein, Gertrude. Let's go. Alors, en avant, mauvaise troupe. Là, ce serait bien de monter là-dessus pour voir un petit peu. Ouh là, ouais. Ça coûte cher. On passe par la flotte. Santé mentale faible. Manger du chocolat ou du whisky. Sinon, il se passe des choses. Un groupe d'indigènes s'est précipité dans notre direction, visiblement attiré par l'explosion de notre dynamite. Ah merde. Cet endroit est habité? Ils semblaient aussi surpris que nous, mais une fois passé l'étonnement initial, ils nous ont demandé qui nous étions et comment nous étions arrivés là. Alors, Log Gipoufeba, Reroriko Jositam. Se vanter de votre grande magie, let's go. Je me suis dressé autant que je pouvais, j'ai proclamé que j'étais une chamane au grand pouvoir. J'ai fait des gestes en direction de la montagne détruite derrière nous pour prouver ma puissance. Admirez ma puissance et tremblez devant elle. Géraldine, je crois pas qu'ils vous comprennent en vérité. Mais si, ils nous comprennent, c'est facile, regarde, c'est comme le Péruvien avec nous. Ok. Le Péruvien, c'est simple, il suffit de leur parler lentement et fort. Moi, grand sorcier, toi comprendre. Tapi, c'est un capus de bata. La magie. Doudiba. Plutôt impressionnés, ils nous ont traités avec un respect nouveau. Nous ne nous étions pas fait des amis ici, mais sur des terres hostiles, il est souvent préférable de se faire craindre plutôt qu'aimer. Tentant de nous rassénérer, ils nous ont détaillé le chemin à prendre pour atteindre leur village, où je pourrais me reposer et nourrir. Puis après nous avoir présenté des excuses bancales, ils se sont éloignés. Mais où coutume d'avoir ce qui veut dire? Ils sont fous, ces hommes blancs. Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi ça dit... La réputation auprès des autochtones, d'accord. Ah, ils nous ont présenté le village. Est-ce qu'on ferait pas un tour au village? On a 28 santé mentale, mangeons un bout de chocolat. Deux bouts de chocolat. Rien de meilleur qu'un bon morceau de chocolat. Je suis d'accord. Ouais. Là, ça coûte combien? 11, 12, 10, 14. Ouais, ça me fait passer par la forêt. Ouais, mais ça explore sévère aussi. Let's go. N'hésitez pas donc à cliquer sur le lien et à acquérir le jeu par divers moyens comme Steam, disponible sur PC, Xbox, PlayStation et Switch plus tard dans l'année. Plus tard dans l'année pour les consoles sous-jacentes. Il faut bien qu'ils le codent, le machin. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller voir les autochtones? Oh, allez, allons-y. On est en train de péter des durites. S'approcher du village. Let's go. Disponible sur Stadia, Game Gear, ColecoVision, bien sûr. Nous sommes approchés prudemment, mais nous avons été accueillis à bras ouverts. Il semblait que notre venue avait été annoncée avant notre arrivée. Nos intentions sont pacifiques. Teru, te quinta, pechucha. Pacifique. Excuse-moi. Cette blague me fera toujours rire.
Curieusement, il ne semblait pas aussi surpris par notre étrange apparence que ce à quoi je m'attendais. C'était presque à demander si nous étions les premiers étrangers à leur rendre visite. Se reposer dans le village, je peux pas, troquer, allons-y. Un homme du village a ouvert un panier tressé pour révéler les marchandises du village. Voyons voir. Offrez 3 objets supplémentaires pour obtenir de la réputation, mais je veux pas. Je peux pas leur filer mon chocolat. Bon, peau de cheval, peau de tache à lait, viande crue, dents d'animal, fromage à pâte dure. Ouh, miam, miam, miam. Bouclier de main, une lance, une sagaie, icône religieuse, champignons hallucinogènes. Bouin. Stylé. Champignons d'introspection. Ah. Ok. J'ai passé un marché avec les villageois. Rencontrer leur chef. Requiert réputation 3. Oh. Oh, stylé, la culture. Putain, le jeu qui est plus respectueux que Black Panther, avec leur building au Wakanda sur lequel ils ont des toits en chaume, si tu veux. Là, il y a une meilleure représentation de la culture, si tu veux. Déjà, je suis plus intéressé. Allons-y. Je suis entré dans la hutte où se tenaient les audiences du conseil. L'une des personnes parmi les aînés a fait un pas en avant et nous a accueillis avec un visage inexpressif. Nous pouvions formuler une requête. Faisons une requête. Recruter. Donnez-moi un esclave. J'ai demandé s'il était possible de rassembler toute personne suffisamment disposée pour rejoindre l'expédition. Un chaman indigène, musculeux, beau et fantastique, ou une éclaireuse indigène, svelte, agile et rapide. Non mais ils ont pas compris en fait. Moi je voulais qu'ils me donnent les malades et les vieux, que je puisse les jeter au premier animal infamé possible, tu vois. Histoire de détourner sa attention. S'ils me donnent des gens qui sont vraiment utiles, ça va pas être possible. Santé mentale de champignon plus 10, au stylé. Distance d'observation plus 15%. On va prendre l'éclaireuse. Voulais-je vraiment recruter Kowatuke, éclaireuse indigène? Je suis sûr que ça s'écrit pas comme ça, espèce de connasse de raciste. Mais... Voulais-je vraiment recruter Philippe? Mais l'armo, Felipe. Philippe. Philippe. Très bien. Allons-y. Kowatuke, éclaireuse indigène, elle reçoit votre expédition. Très bien. Ah mais attends. Mais c'est de l'idée de génie parce que on a une éclaireuse qui peut découvrir le décor devant nous, mais elle a aucun moyen de nous transmettre ce qui se trouve. Donc ça va être un jeu de Pictionary en fait. Ma requête a été acceptée, mais je suis alors incliné devant les essais à reprendre leurs affaires. Au revoir, honorable membre du conseil. Ils ont l'air relativement satisfaits. Ah mais génial! C'est du génie. En sortant de la hutte, j'ai rapidement cligné des yeux pour réhabituer la lumière extérieure. Reposons-nous dans le village pour recouvrer de la santé mentale. Gratuitement en plus. Enfin, gratuitement. Contre de la répute des sauvages, mais tout va bien. Allons-y. Ce soir-là, les villageois préparaient une danse rituelle pour apaiser leur dieu. Ils appelaient ces divinités des palikao, un mot curieux qui semblait étranger à leur langue. Palikao. D'accord. Ces dieux étaient apparemment à l'origine d'artefacts contenant une grande magie. Ils m'invitaient à me joindre à leur danse pour honorer les grands bâtisseurs. J'y ai sérieusement réfléchi et refusé pour les offenser. Mais un faux pas, ce serait une plus grande insulte encore. Ah, et j'ai 2 sur 6. Est-ce que ça veut dire en fait voilà, que j'ai 2 chances sur 6 et j'ai 3 dés. Donc j'ai 6 chances sur 6. Allez, vive les stats. Vive les stats. Mais oui. Facile. Oh là là, cette danse, mais c'est cette qualité d'animation incroyable. Vraiment, hein, le fait qu'ils aient changé le style graphique, honnêtement, j'ignore si leur... Si. Pour l'instant, on ignore s'ils vont en faire du génie, mais là, ça se passe plutôt bien. Le rythme était envoûtant. À ma grande surprise, j'ai réussi à suivre cette danse complexe sans faire un seul faux pas. J'ai fini la danse en beauté, les indigènes ont sauté de joie. Ils m'ont jovialement tapé dans le dos et m'ont offert un cadeau pour témoigner leur reconnaissance. Oh, une lance! Oh, génial! Ces gens civilisés incroyables! Oh, comme on les aime! Oh là là, ce protectorat! Attends. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, Victoria Malin. Elle s'appelle Victoria Malin, aventurière. Elijah Jacob Barrel, spécialiste des gros gibiers. Mais du coup, depuis le début, on le traite comme un péruvien qui parle pas la langue. Depuis le début, il y a Victoria Malin qui est là.
Il faut venir avec nous. Comprenez? Venir. Madame, je vous comprends à la perfection, madame, s'il vous plaît. Je m'appelle Jean-Pierre Messonnet. Je suis diplômé à l'Académie de Paris. Madame, je suis anthropologue. Venir? La chasse. Miam. Madame, je vous en supplie, madame. Ah putain. Terrible. Terrible. Ah putain. Une fois les activités du soir terminées, nous sommes installés pour une soirée paisible au coin du feu avant de nous retirer dans nos sacs de couchage. Mec a été diplômé de l'Académie de Berlin, quoi. Victoria qui est casu. Bien évidemment, tout ceci est du second degré, on rigole parce que visuellement c'est fou, mais par contre, mais regardez le détail sur ces veaux! Enfin, sur ces vaches! Incroyable! Et il y a du nichon! Tits confirmed! Allons-y. J'ai passé plusieurs cours d'une journée calme et des merveilleux moments en compagnie des villageois amicaux. Vous pouvez à nouveau vous reposer pour votre santé mentale. Et j'ai toujours 4 de gentillesse auprès des villageois. Ah, parce que j'ai bien dansé avec eux, donc ils m'aiment bien. Donc on va passer une petite semaine, monsieur. Cette soirée-là, je me suis approché de l'une des indigènes pour tenter d'apprendre leur langue. Une fois qu'elle a compris ce que je voulais, elle était ravie de m'apprendre. Ah, c'est la bof, bezatevig, zavigosel, rahayubirtu. J'ai toujours constaté qu'en tout lieu, les autochtones étaient ravis de partager leur culture avec des étrangers. Il faut simplement faire l'effort d'aller à leur rencontre. Ça, c'est très vrai. Tinak, tunat. Zul, cette voyelle est compliquée. Tikta, fistou, tinak, tunak. Non, je disais que c'était compliqué. C'est Victoria qui retourne à ses racines à la seconde où elle n'arrive pas à communiquer. Pardon, excuse-moi. Mais elle a bien raison, c'est une vraie leçon. Je n'avais pas le temps de faire beaucoup de progrès pendant de courts séjours, mais c'était un début. Et je crois que ces cours ont été un plaisir pour nous deux. Merci, Pilano. Et l'autre, merci, Pilano. Et l'autre en face, merci. C'est bien. T'sais, elle a appris ma langue aussi, mais elle ne sait que le hurler. Parce que l'exemple est trop mauvais. Adorable. Je me suis reposé quelques jours au village pour récupérer. J'étais la bienvenue dans ce village. Fantastique. Ah, oh, on est presque full. On pourrait être malvenu, mais on va pas abuser de notre... Voilà, on se casse. On va pas non plus abuser de leur hospitalité. Voilà, clic droit en maintenant pour déplacer la caméra et vous faire dégueuler au passage. Alors, attends. Ouais, on va avancer loin. Quoi qu'on pourrait aller là, on plonge hein, dans les terres. 26, 37. Ouais, mais là, ça explore à donf, si tu veux. Let's go. On a passé 2 mois sur cette île à la con. Hein. Ça va vite. Hein. Par contre, ouais, jour 63, 64, effectivement, le truc fait la taille d'un continent. Hein. Alors que nous aventurions plus profondément dans la nature, Kowa Kutuke s'est arrêté net et m'a prise à part. Polikolov nous dit non, Yves Mafaretli, j'ai pas nous. Victoria, qu'est-ce que dit Kowa Kutuke? Vous pouvez traduire? Non! Elle nous dire. Diro en espagnol. Diro que. Non, ma, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Il semblait que nous approchions d'un lieu qui présentait un certain intérêt. Les vestiges de ce qu'elle a décrit comme les pâles voyageurs, voilà ce qui semblait vraiment valoir la peine d'enquêter. Ah. Donc des vestiges, et là il y a quelque chose dans cette forêt. On pourrait se déplacer un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est? Une hutte de chaman. C'est intéressant, mais non. 17 de santé mentale, il nous en reste 27. Eh ben écoute, ça, c'est possible. Let's go. Voilà. Visiter l'ancien campement. Très bien, bah explorons. En tout cas, je sais qu'il y a les développeurs du jeu qui regardent ce stream. Je sais que là, il y a mon agente qui regarde ce stream et qui est en train de se couper les veines à une vitesse, mais... d'un mouvement latéral de gauche à droite. Hein. Mais c'est pas grave, allons-y. Nous sommes approchés du campement, espérant trouver des provisions et éventuellement des réponses. Malheureusement, un groupe de hyènes pillardes s'y trouvait déjà et nous a attaqué. Ah merde! Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas vu. Oh merde! Un combat! Et j'ai pas de fusil! Wouah! Jean-Pierre à main nue! Contre les hyènes! Oh là là! Elijah Jacob Barrel! Oh, les
bottes en peau de croco imbloquable. Et même Kowatuke, hein, au cac. Hein. Ah, c'est Econ 0. Hein. Brise-mâchoire, dégâts 8, 25% de chance d'étourdissement. Coup de lance. Ah, on peut le cumuler, c'est ça? Non, d'accord, ça montre les phases du dé, en fait. D'accord. Coup de lance et brise-mâchoire. Non, ça marche pas. Allons-y, coup de lance. Aïe! Oui. Très bien. Attaquer à nouveau. Je tire un dé, ouais, bien sûr. Oh, l'uppercut! Il fait plus mal avec son uppercut que elle avec ses coups de lance. Hein. C'est pas pour parler mal, mais les dés blancs sont automatiquement ajoutés. Ah, d'accord. Je vois. Point faible, inspiration. Force plus 100%, c'est bien ça. Allié ciblé. Bon, tant pis. Très bien. Les attaques de ce personnage sont désormais beaucoup plus puissantes. Ah oui, que c'est comme lui qui va attaquer l'anthropologue. Vas-y, mets une droite. Mais Jean... Oh, mais putain, mais Jean-Pierre. Oh, la gueule. Non, pas qu'on va tuquer. Salaud. Attends, est-ce qu'elle peut soigner? 6. Est-ce qu'on peut motiver ou faire quelque chose? Contournement. Alors, on peut pas faire d'attaque combinée pour l'instant. J'imagine, on est dans le tutoriel. Bon, bah déjà... occupé de ça. Allez. Voilà, vulnérabilité 15%. On a le droit à un deuxième jeté. On pourrait attaquer. On pourrait attaquer au force. Ouais, il faut l'attaquer. Il faut l'attaquer. Il faut pas tâter. Voilà. Oh là là, double attaque. Relance. Merde. Voilà. Ça va venir. Et encore, ok. Un coup dans la jambe. D'accord, lacération, cible en vue, ok, je vois. Finir le tour. Ouch! Faut super mal. Hein. Voyons voir. Est-ce qu'on a moyen de double soin ou pas du tout? Non, il y a que Jean-Pierre qui s'est soigné à peu près. 6 points de vie, je vais la mettre full life parce que dans Curse Expedition, quand tu manques de points de vie, ça fait aucune différence si t'es à 59 ou à 0 en fait, ou à 1 en fait, tu risques quand même de t'infecter et donc de mourir. Il faudra donc te soigner. Alors que là, si je la soigne en combat, voilà, elle sera full life, ce qui fait que du coup, je n'aurai qu'à claquer qu'un seul bah, y compris. Victoria! Para la victoria! Bouc! Allez, vendu 2 pots d'hyènes, de la viande crue et une dent d'animal, tout prendre. Nous avons pris ce que nous pouvions et nous sommes prudemment rapprochés de l'ancien campement. Les hyènes n'avaient peut-être pas détruit tous les objets de valeur, et un personnage est prêt à être promu. Ces sales bêtes n'ont pas opposé beaucoup de résistance, n'est-ce pas? Ça lui va très bien cette voix. Un personnage est prêt à être promu. Sélectionnez votre spécialiste des gros gibiers. Promouvoir, pourquoi promouvoir lui? Ah, je suis obligé, d'accord, c'est le tutoriel, ok. 10 expériences, promouvoir, level 2. Ce personnage est maintenant plus puissant. Vous avez tous mes respects. Très bien. On a de la viande, on peut la manger pour faire de la santé mentale, on peut fouiller le campement. Un petit truc aussi pour ceux qui trouvent ça lent, il y a le repos rapide, le texte instantané, et tu peux accélérer à la vitesse de déplacement et en combat aussi. Donc, de fait, il y a moyen d'aller plus vite. Là, je fais ça juste pour l'aspect cinématique. J'ai donné l'ordre de fouiller la zone alors qu'un frisson de crainte me parcourait la colonne vertébrale. J'espérais que mon expédition éviterait le sort de ces malheureux explorateurs. Vous voyez, voir un ancien journal, un vase en argent, du whisky. Prends tout. Et enfin l'ancien journal. Tout prendre. Dans la réserve du campement, j'ai trouvé un journal en piteux état. Il comportait des notes d'un aventurier inconnu. D'après ce journal, son auteur avait fait preuve de l'arrogance à laquelle sont sujets de nombreux explorateurs. Ignorant les avertissements des indigènes, il avait fini par trouver la mort. Classique. Sauvage. Savage. Un passage cependant m'a intrigué. Une énorme structure, d'architecture inconnue, la technologie est bien plus avancée que la nôtre, sans même parler de celle des sauvages insulaires. Quelle pourrait bien être sa fonction? Ou technologie avancée? Il donnait ensuite itinéraire détaillé pour atteindre cette étrange structure. Fascinant, il fallait absolument voir ça de plus près. En route, nous avons une nouvelle destination. Oh. Très bien, comment ça... Ouh, on est à 10 de santé mentale, c'est un peu la panique. Whisky! Ou bien, levez les verres. Ouais, très bien. On s'est mis bien. Petit coup de chocolat. Ça me baxo, j'ai losing the tube si makele le visage. Ok, très bien. Je pense que tout ce qu'elle vient de dire, ça veut dire j'aime le chocolat. Voilà.
C'est en vrai la version littéraire, c'est j'aime le chocolat. Vous pensez vraiment que c'est ce qu'elle a dit? En vrai, elle a dit cet aliment aussi noir que ma peau coule du doux jus de la vie. Et c'est mais je vous ai donné la version littérale, enfin littéraire. C'est... elle aime le chocolat. Ils disent vraiment tout ça? C'est une culture extrêmement poétique. Très bien. C'est un dialecte extrêmement littéraire. Voyons voir. S'approcher de la cascade. Ah oui, c'est ça. On peut se reposer à l'ancienne structure. Allons-y. Très bien. La cascade était tout simplement gigantesque. L'eau était fraîche et agréable. J'aimerais rester plus longtemps. Eh ben, monte le camp, connard. Hop là. Et on s'y repose. Cette soirée-là, sous les encouragements de mes camarades, j'ai raconté une petite anecdote de mes voyages. Je parie que vous avez connu des situations encore plus délicates. Oui, mais c'est indélicat de demander. J'aurais parlé d'un incident lors de mes voyages en Égypte, lorsque j'avais demandé en mariage un guide indigène à cause d'une erreur linguistique. En réalité, je suis pas vraiment du type à me marier. Non, vous êtes plutôt du type à voyager à l'œil. Ah ah, ah ah. Ça va, vous avez le droit de faire cette blague. Il m'a laissé tranquille, mais il faut toujours prendre garde avec la culture locale. Nous ne savons jamais quel danger nous attend. Il a le droit, il est borgne lui aussi. Excellent. Alors que nous préparions à repartir, je savais que j'allais regretter le soir apaisant de cette chute d'eau. C'était un endroit merveilleux. Ouais, on se casse. On se casse, on se casse. Ce qu'on veut, nous, c'est El Pognon. El Pognon. D'ailleurs, en parlant de ça, Victoria, nous pourrions passer par la forêt. Non ! Nous utiliser Explonados. Para la grosse boum boum. Vous comprenez ? Victoria. Fais voir, j'ai cliqué sur le... J'ai ouvert le journal encore une fois. D'accord, ça répète le texte, c'est sympa. Prêt pour la promotion. Fais voir. Promouvoir. Qu'est-ce que ça fait si je la promouvoir? Vie maximum 55, distance d'observation 18%, contournement, amélioration maximum d'un dé, coup de poing rusé, amélioration maximum 1. Et ben vendu. Allez hop. Waouh, 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 mais c'est pas un... c'est pas une pyramide? L'étrange forme de structure ressemblait à rien de ce que j'avais pu voir lors de mes voyages. Il était impossible de savoir à quoi elle servait, mais c'était peut-être une ancienne machine. Pardon, excusez-moi, c'est pas la bonne voix. Il s'agissait peut-être d'une ancienne machine. Alors que nous approchions, Kowatuki a commencé à trembler et la panique se lisait sur son visage. Elle nous a vivement mis en garde et prévenu que leur dieu, Palikao, ne tolérerait pas que nous pénétrions dans ce lieu sacré. Ah. Apaiser ses inquiétudes. La soudoyer. Tiens. Tiens. Prends de l'agneau et de la viande et va manger les pilier là-bas. Non sans mettre la main à la poche, j'ai réussi à convaincre Kowatuki de rester avec nous en lui proposant une part généreuse de notre butin. Très bien. Je me suis approché des commandes de la machine et une étrange crainte s'est emparée de moi. Cependant, il était impensable de faire demi-tour. Wow! Lorsque j'ai posé ma main sur le cristal central, un aimant craquement et un bruit sec et métallique ont résonné dans l'air. La surface s'est réchauffée et m'ont touché, un affreux brouillard violet en a jailli. Mais... J'ai quitté cet endroit en courant. L'épais brouillard était sur mes talons. Je demeurais curieuse, mais il fallait bien survivre pour continuer à faire de grandes découvertes. Ah! Est-ce que j'aurais pas condamné l'île? On va devoir fuir vers notre navire, mais il va falloir qu'on... Ouais, c'est bien. On fuit peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cimetière. Ça passe, vous pensez? Ça passe. Ah, j'ai pas le droit de l'explorer? Merde. Bon. Si on passe par là et qu'on coupe... On coupe à la grenade, là. Ouais, ça passe. Ça passe. Ça passe.
Le brouillard nous poursuit. Ça passe, ça passe. Il absorbe toute l'île. Ça passe, Roger, on t'a dit. On n'y arrivera jamais. Il suffit de prendre un raccourci. Mangez le chocolat, buvez la gnôle. Courez. Oh putain. Et bon baiser, hein. Bon baiser de Paris. On se fait attaquer par des Strums. Attaque surprise. Wouac. Tout va bien. Paniquons pas. On a tous les moyens de réussir. Pour ça, empoisonnement 6. Est-ce que ça soigne l'empoisonnement ou pas du tout? 16% de dégâts de chance, amélioration. Parfait. Et là, c'est dégâts 20. 41% de chance d'étourdissement. Mouk! Très bien. Il est étourdi ou pas? Merde, il est pas étourdi. C'est pas grave. On peut améliorer ça. Ah, si on peut! D'accord, je comprends. Une armée T 37%, dégâts de bouclier 15. Voilà. Soigne, soigne. Impeccable. Pas de soin. Ouch. Il m'a juste stun. Aïe, il n'y a pas juste stun. C'est complexe. On peut le tenir, hein, je pense. Hein. On peut le tenir. Hein. Relance, lui pas besoin de le relancer puisqu'on peut rien en faire. Ouais, c'est pas mal ça. Alors c'est pas un dé amélioré que je peux améliorer, donc je ferai que 5 de dégâts. 7 de dégâts, bah écoute, allons-y. Hein. On peut leur casser la gueule. Ce serait une belle victoire. Ce serait une belle victoire. Ouch. C'est rien. C'est la chikungunya, c'est la ch'touille. Fuir 60%, pourquoi? On s'en fout, on va pas fuir, on les tient là. Alors ça c'est un défi, c'est quoi ça? Coup de poing rusé. Oh on le tient, 12 de dégâts. Bouc. Dans le dos, bien joué. La créature était morte, la voie vers le navire est libre. J'ai couru très vite vers l'embarcation, l'air me brûlant les poumons. Ouais, sauf qu'on boit un coup de gnôle d'abord. Deuxième coup de gnôle. Alcoolisme, très bien. Wes, c'est bon. On se casse. Bon baiser de Paris, hein. Le sombre brouillard tourbillonnait derrière nous alors que nous montions à bord à la précipitation et que le capitaine se dépêchait de larguer les amarres. Alors que nous prenions le large, nous avons vu derrière nous le brouillard engloutir rapidement l'île. Je sais pas ce qui nous serait arrivé si on était resté sur l'île, mais je voulais pas savoir. Après un certain temps, le brouillard s'est dissipé, ne laissant derrière nous qu'un océan vide là où auparavant se trouvait l'île. Quelle était cette nouvelle bizarrerie? Eh ben, bravo. Félicitations pour avoir survécu, Brigitte. Oui, bon bah, quelque part c'est un message politique aussi. Je suis arrivé à Paris en soupirant. Ces dernières semaines, je ne pensais qu'à cette mystérieuse île et à la grande machine que j'avais trouvée. Cela me peinait de rentrer, mais je devais reprendre mon rôle de responsable de l'exposition universelle. Je vais désigner quelqu'un d'autre pour découvrir les secrets de l'île. Oh. J'ai réfléchi aux futurs défis et aux difficultés que cette nouvelle personne devrait affronter. Voyage, aventurier, dément. D'accord, c'est la violence. D'autres explorateurs existent. Après votre mort, recommencez l'année actuelle avec une nouvelle équipe. Quel enfer. Et l'échec d'un carré d'esprit après votre mort, retournez à Paris comme si rien ne s'était passé. Supprimer la campagne. Ouah, la violence. Bah écoute, simple, allons-y. Le jeu est dur. Donc, let's go. Voilà. J'ai réuni les explorateurs les plus talentueux de Paris. Je les ai attentivement observés. Qui deviendrait mon nouveau bras droit? Élie Jacob Barrel. Jean-Pierre Messonnet, anthropologue. Oh là 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 là. Attends, on peut renouveler. Oh, on peut changer leur apparence. Et l'équipe de gens qui les accompagnent.
Ah, ça peut être une meuf. Ah, c'est garanti avec ses bottes croco, avec les bottes croco. Ah, attendez, je crois que... Pas, attendez, on peut pas quitter. Ah, attendez une seconde, si je quitte et que je recommence. Je sais que je peux sauvegarder et quitter là. Et je peux faire nouvelle partie. Passer jusqu'à Paris, voilà, c'est ça. Du coup, il y a la musique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh, il y a Jane, si tu veux. En fait, c'est sur... Oh, oh, oh là là ! Mona Head ! Infirmière de niveau 1. Incroyable. Romana Stein, spécialiste des gros jubiers. Embuscade gratuite en attaquant. Et elle a une grosse machette. T'en fais voir si on peut... Enedina Olver, stylé. Romana Seliu. Je regarde les noms disponibles. Jewelisa Madern. Ophélie Muller. Jerusa Thurman. Enid Stein. Jenny Pallister. Allegra Ashford. Adeline Sanson. C'est stylé, ça. Oh là là, avec Cyrus Moïse. Imbloquable. Les aventures de Cyrus Moïse et d'Adaline, quoi. Son chien, il est imbloqué. Par contre, le chien, je peux pas le sélectionner. Il est là. Cyrus Moïse. Attends, on peut peut-être trouver Théophinus Quad, Ali Osbourne et Myra Jolie. C'est stylé. Shizella Pasco, Romania Schmidt. Excusez-moi, je regarde les noms. Malva Spencer, Erika Pernell. Vraiment, ils ont un bon générateur de name. Maud Beddoes, Ebenezer Gay et Emily Alford. Oh là. Est-ce qu'on part avec Freddie Mercury? Parce que c'est garanti, si tu veux. Tu vois les autres? Je regarde juste. Gatu Gasset, d'accord. Juliette Navarre, anthropologue. Et Bikaji Kaka, un interprète. Oh, il est stylé. En tout cas, voilà, c'est les... Découvrir 15 yeux, trouver des trésors, trouver des tuer 30 niveau, terminer 5 kills sans tuer qui que ce soit en combat. Waouh, les explorateurs partout. Oh, il y a de la meuf. En tout cas, c'est super. Oh là, oh, c'est Guybrush Threepwood. Anne-Laure Champlay, merde, c'est une meuf, pardon. Dobix, il s'appelle Dobby. Et on a Sam Tata, non mais c'est dur, hein. C'est dur. Certains ont déjà des objets, une lance, d'accord. On va voir un peu. Ouais, c'est ça, infirmière Bailey. Excusez-moi, je prends mon temps, hein. Gina Bell, Prue Walsh. Emily Sanders, Gwent. Oh, ce chignon! Ernestine! Et Jewel Clog. Ouh, la moumoute, Rhoda. Philippa. Ah, le chien, on peut le choisir. Hope, enfin, on peut prendre le chien de chasse. Stroopy, c'est stylé. Prudence Clog et Melba Wash. Allez, vendu. J'ai envie de dire, on a Prudence avec nous. Prudencia Clog. Stroopy. C'est comme Xoupi, mais c'est un chien. Et ils ont tous les mêmes capacités, fais voir. Ouais, ils ont tous les mêmes capacités, très bien. Et ça, l'épidopholie, peur des papillons. Bah, c'est parfait, ça. Let's go. Allez, vendu. Mais excuse, mais c'est un blocage. 1886. Ah, la fameuse exposition universelle. Là où se passe le scénario de Retour vers le futur 3,5. Faut lire les comics. En tout cas, c'est stylé, hein. Si, je regarde juste le décor avec le ballon et tout. Oh là là là. Allons-y. Je regardais l'exposition, un sourire aux lèvres. Malin m'avait choisi pour découvrir les mystères des îles. J'ai fait le serment de ne pas la laisser tomber. Mon cœur battait la chamade à l'idée de la renommée et de la gloire qui m'attendait. Mais je devais d'abord procéder à quelques recrutements. Allons-y. Boussole cassée. J'ai poussé les portes de la célèbre boussole cassée et jeté un œil à l'intérieur. Cet endroit était connu pour être un lieu où rencontrer des explorateurs et j'avais de bonnes chances d'y trouver des aventuriers prêts à se joindre à mon expédition. Changer la difficulté, c'est bien ça. Ça, c'est la renommée totale dans la campagne, gérer l'expédition. Ouais, c'est l'inventaire et tout le reste. Super. Recruter, voyons voir. J'ai fait savoir que je cherchais des hommes et des femmes durs à cuire pour rejoindre mon expédition. J'ai rapidement rassemblé un petit groupe de candidats parmi lesquels choisir. Un missionnaire. Frère Théophilus. Permet de se reposer gratos dans les missions. Santé mentale maximum, 13, plus 13 points. Permet de baisser les prix lors d'un troc commerçante classe. Claudette, enfant des rues. Oh! Oh non, mais il y a Cosette, quoi. Allez. Claudette. Garantie.
Claudette Popuchet a rejoint l'équipe en souriant de travers. Ses compétences lui avaient servi en ville, je m'attendais à ce qu'elle s'adapte facilement et nous soit très utile. Vous avez besoin des services d'une voleuse, hein? Claudette. Garantie. J'ai de nouveau rejoint le tumulte qui... Tu sais, moi je pars en expédition, je prends pas des mecs qui connaissent le terrain, des gars qui traduisent la langue, non! Moi je prends des clodos, moi. J'ai à nouveau rejoint le tumulte qui régnait l'emplacement de l'exposition. Cette activité permanente me donnait de l'énergie. Ouais, du coup. Tout seul cassé, je peux y retourner ou. Mais c'est beau, putain. Enfin, c'est impressionnant. Oh là là, cet accordéon et ce verre de vin, ce chat qui ne s'excite même pas avec notre chien. Incroyable. Eh ben écoute, je choisis en expédition, let's go, hein. Dans les jours précédant mon expédition, des rumeurs avaient circulé concernant les découvertes des nouvelles îles. Elles étaient similaires à celles que Malin avait trouvées. En passant ces rumeurs au crible, j'ai planifié mon voyage en fonction de celles qui semblaient plausibles. Inscrivez-vous aujourd'hui pour une expédition! Mesure et triangulation et la pyramide d'or. Difficulté 2, budget 4, 84. Notre compréhension des îles au mieux méthode au niveau d'accès est d'avoir un cartographiant. Récompense 2 timbres et 50. Pyramide d'or, let's go! Malin avait des contacts au sein des mystérieux clubs d'explorateurs. Chacun d'entre eux était prêt à financer mon expédition. Pouh! La Société Royale d'Avalon était un organisme britannique créé pour en apprendre davantage sur les zones explorées du monde. Un club prestigieux et respectable avec un code d'honneur strict. Les anciennes traditions nous préservent et nous guident. De son côté, Lux Labs était un nouveau club, une société américaine fondée par Thomas Edison qui profitait de ses expéditions pour rester sur le terrain des technologies expérimentales. Ouh, la Max, le gars est là. Travaillez pour nous, travaillez pour nous. Oh là là là. L'académie Tai Chi venait de l'Extrême-Orient. Selon les rumeurs, elles enquêtaient sur les sombres influences du surnaturel dans le monde à condition de croire à ce genre de choses. Taï, à Krilin, ils volent. Ah, ils volent pas! Il est sur un tabouret, il triche. Il triche. Nous devons comprendre l'obscurité pour la vaincre. Et vous devez trouver la voie. Moi, je l'ai trouvée. Il faut vous couper la... Très bien. Ok. Soyez une lumière dans les ténèbres. Vous, très bien. Paramètres acceptables. Oh là 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 là. Cette mission est primordiale, attention! Ah, j'hésite. Hein. D'un côté, il y a Avalon, d'un côté, Lux Lab, c'est là. Tiens. Et de l'autre côté, la société Tai Chi, si tu veux. L'académie Tai Chi. Oh, c'est sûr, on va partir pour Lux Lab. Let's go! J'allais partir en mer le lendemain matin. J'ai décidé de profiter d'une dernière nuit à terre. Il y a tellement plus de narration que dans le premier, c'est chaud. Je buvais un verre ce soir-là quand Jules Verne en personne... buvais un verre tranquillou ce soir-là quand Jules Verne en personne est venu nous parler. La réalité nous fournit des aventures si romantiques qu'elles dépassent les limites de notre imagination. En totale admiration, j'ai parlé pendant un moment de choses sans importance avec cette célébrité. Il m'a parlé des îles qui disparaissaient. J'ai souri et changé de sujet. En feignant de ne rien savoir. Verne a insisté, mais je ne comptais pas révéler les secrets de Malin à n'importe qui. N'importe qui, c'est Jules Verne. Il a fini par perdre patience et me souhaitait bonne nuit avant de partir à l'air irrité. Plutôt excentrique, si je puis dire. Ok. Pouah. Mais j'avoue, hein. Nous sommes en 1886, pardon, et nous partons en exploration dans le futur. À quoi va ressembler le 20e siècle? En approchant du cycle de l'expédition, un petit navire de ravitaillement s'est tiré à bord de côté de notre embarcation. Je remercie mon mécène de me fournir en fond et en équipement. D'accord, c'est stylé. Hein. Ce bonnet, par contre, me rend fou. Le marchand m'a salué et m'a remis un paquet, un cadeau de Malin pour ma première expédition. Il allait m'être utile. Trousse de premier secours, torche, chocolat, fort aimable. Acheter du matos. Ah, et donc là, c'est la phase de préparation. J'ai 84 pièces d'or. Qu'est-ce qu'il nous faut? J'ai ma machette, ça c'est bien. J'ai une torche, ça c'est bien. J'ai ma santé mentale, ça c'est bien, mais il va nous falloir plus de bouffe. Tonifiant de vigueur. Ça transforme les dés en lion féroce. Ça transforme les dés en résultat incroyable. Du whisky, c'est pas cher. Ça coûte 15 pièces. Des noix. Améliore vos réflexes. Permet de relancer un dé. Kit de tannage. Permet d'accroître la valeur des pots. Plus de chocolat pour 10. Ça c'est plus rentable. Tonifiant de ruse. Prendre une deuxième torche.
prendre une pelle. Je vais prendre trois kits d'escalade. Toujours utile pour monter les plateaux. Voire 4 kits, j'ai presque envie de dire. Ouais. Kit de soins, c'est pas très cher, surprenamment. Ça vaut même pas grand chose. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Et la bouffe. La bouffe, c'est super cher ! Super cher. Bon, bah écoute, good enough, faire à faire, let's go. Une fois mon équipement choisi, j'ai examiné ce qui me restait à faire avant d'accoster l'île. Acheter l'équipement, je l'ai bien, c'est bon, j'ai tout, impeccable. J'ai tout, est-ce que je peux vendre des choses? Ah, il achète 50 balles ma machette, hein. J'ai presque envie de la vendre pour acheter de l'équipement pour être sûr, mais bon, c'est pas une mauvaise idée. Allons-y, sortir un navire. Soute du navire, qu'est-ce que j'ai dans la soute? J'ai rien dans la soute, ok, let's go. Débuter l'expédition. Acheter l'équipement, pot de tannage, j'ai envie d'en prendre un parce que ça me... Ah. Je peux pas vendre d'objets ici. Ah merde, tant pis. Bon, tant pis. Tant pis. Let's go. D'anciennes légendes évoquent un immense temple doré sur l'île que nous approchons. Un bâtiment immense et antique, en or massif. Il faut que je trouve cette légendaire structure pour accroître la gloire de mon mécène Lux Lab. Oh là là, et on a Gavroche, quoi. Boussole. La boussole indique la précision. D'accord. Plus on s'approche et plus elle est précise. C'est comme le jeu précédent. Donc là, pour l'instant, elle m'indique que mon angle d'attaque, c'est dans cette direction. Et dans cette direction. Donc on sait qu'elle n'est pas sur la partie droite de l'île. On sait qu'elle est plus quelque part par là. Ou même par ici. Donc on va essayer de longer la partie gauche. Ça me paraît le plus intelligent. Impeccable. Partons. Let's go, expédition! Il y a des gens là. Ça a l'air d'être des indigènes. Bon, ils sont lucides. Ils cassent pas les couilles. Ça, c'est tout ce qu'on leur demande. Et là, il y a 16. Et là, 19. Voyager. Est-ce que ça vaut la peine de s'y arrêter? Oui, ça coûte pas très cher d'y aller en ligne droite. Let's go. Et vous voyez que j'ai pas pris la colline exprès pour pas gâcher mon kit d'équipement. Qu'est-ce que c'est? S'approcher de la cabane de chasse. Voyons voir. Oh! Waouh, il est stylé! J'ai trouvé une cabane de chasse au milieu de nulle part. Ses occupants semblaient préférer une vie solitaire entourée de la nature. Chasser une bête, troquer, voler. Mais c'est garanti. Chasser une bête, ça fait quoi? J'ai parlé au chasseur professionnel de la terrible créature que je voulais tuer. Il a accepté de s'en charger, mais pas gratuitement. Ah! D'accord. Et on peut l'envoyer attaquer des saloperies. J'ai changé d'avis, c'est pas le bon moment. On va le voler. Bien sûr que ça passe. Allez! Claudette Popuchet a souri et révélé ce qu'elle avait récupéré. Ses compétences de vol étaient admirables, car son larcin était passé inaperçu. Et voilà, une jolie babiole pour vous. Merci, Claudette. Troquet. Qu'est-ce que c'est? Un pas à forte rôdeur qu'il a utilisé sur combat. D'accord. Il vend de la viande. Un dard de scorpion, de la peau de loup géant et une dent d'animal. Ça a un peu de valeur tout ceci pour le troc, mais ne pas faire affaire, annuler. Vendu. Très bien. Ah mais Claudette la Clodo, d'une efficacité, mais incroyable, il faut le dire. Allons-y. Et 20, ça fait 20, mais ça nous fait faire beaucoup de déplacements pour pas grand-chose. On va y aller de toute façon, donc allons-y. Allons-y. Je me demande si on a pu attaquer ces animaux ou faire quelque chose, tu vois. Là, il y a des papillons, c'est cool. Papillon, vous vous trouvez à proximité d'un papillon. Attrapez des papillons pour obtenir de la renommée. C'est pas une bonne idée parce que nous avons... qu'est-ce que c'est que ça? Caille crue. Un petit oiseau sauvage doit être cuit pour être comestible. Pardon. Qui est carbonisé. Ok. Une heure sur le feu, de... ok, bah j'ai fait une caille. Elle a un goût de charbon, très bien. Voyons voir. Prudencia Clog, vous voyez, elle a la peur des papillons, l'épidophobie. Et elle, superstition. Ah, d'accord, forcément, elle est superstitieuse. Et ça, c'est un chien. Et ça, c'est un good boy. Good boy. On peut renommer les gens et les choses? Non, malheureusement, non. Pas moyen de les renommer. Donc, tant pis. Ok, très bien. S'approcher du sanctuaire, pardon.
J'ai découvert un bâtiment de pierre majestueux. La structure était légèrement penchée et s'enfonçait dans le sol. Le sample semblait prêt à s'ouvrir pour laisser place à un abîme à tout moment. J'aime pas cela. Ouais, attends, pars d'abord. D'abord, attends. Un abîme. Est-ce qu'on aura moyen de le contourner ou d'en faire quelque chose? Est-ce qu'en fait, ce serait pas mieux de prendre ce truc sur le chemin du road? Ouais, on s'en bat les couilles. Allez. À l'intérieur se trouvait une salle sombre. Un long couloir menait à la salle de l'hôtel droit devant. Mes yeux scrutaient tous les recoins à la recherche de pièges. Chercher des secrets. Aïe, aïe, aïe. J'ai senti une pierre s'enfoncer dans le sol sous mon pied. J'avais déclenché un piège. Une pince de piège est sortie du sol et a emprisonné ma jambe et appliqué une force écrasante. Attention! Aïe, aïe, aïe. Après m'être libéré, j'ai vu que Struppi était victime d'un piège identique. Mais il n'avait pas eu ma chance. Je l'ai libéré, mais sa jambe était dans un état lamentable. Ah, il a une entorse. Pauvre Struppi. Une sorte de chambre cérémoniale se trouvait devant nous. Les pictogrammes sur l'autel indiquaient que de grands abîmes s'ouvriraient sous le sanctuaire si le trésor était dérangé. Oh, prends tout. Oh, prends tout. Allez. Nous sommes emparés de tout ce qu'on pouvait avant de nous précipiter à l'extérieur alors que le sol commençait à s'effondrer. Un abîme s'est ouvert et s'agrandissait à vue d'œil. On a quitté cette région aussi vite que possible. Claudette, laissant parler de sa superstition, était clairement furieuse que nous avions dérangé l'endroit. Maintenant, on est tous maudits à cause de vous! Mais non, ça va bien se passer, Claudette. Déstresse. Attends d'abord. Nous avons dressé un campement afin de soigner nos blessés. Soignez Struppi! On a tissé la trousse de soie sur Struppi et il se sent beaucoup mieux. Très bien. Pépélé! Pépélé! Belle, belle, belle! Belle, belle, belle! Waouh! Regardez l'eau qui tombe et tout, c'est trop bien fait! Santé mentale faible, manger du chocolat ou du whisky. S'approcher de la statue en pierre, let's go! Fun fact, Struppi, c'est le nom de Milou en allemand. Waouh, je savais pas. J'avais découvert une idole en granit, sa tête grotesque me surplombait, cette immense réplique me fascinait. On dirait un endroit sacré. Je marquais que des objets se trouvaient près du sol. Regarde, qu'est-ce qu'il y a? Kit de métallurgie. Appa, totem de malédiction. On va tout prendre. Hein. J'ai pris tout ce qui m'était disponible. Après avoir jeté un regard terrifié derrière nous, la superstitieuse Claudette Popuchet paraissait grandement perturbée. Claudette qui est trauma. Moi j'ai tout pris là du coup. Kit de métallurgie, je sais pas à quoi ça sert. Utiliser. Whisky, bon ça c'est garanti. Ouais, une bonne boisson forte, très bien, ça nous a bien remis debout. Statue d'un totem de l'indiction, c'est pas mal ça. Hein pardon, c'est pas mal. Ok, très bien, alors voyons voir. Là il y a une hyène, donc il y a bien moyen de lui casser la gueule. En plus il y a ça sur la route, et ça, c'est pas dérangeant. Et ça, ça varie, donc ouais, le truc est forcément par ici. Attaque surprise, événement inattendu. Merde, c'est les autochtones! C'est les autochtones! L'erreur! Je balance un totem de malédiction! Très bien. Le chien peut attaquer. Attends, pas encore une seconde. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Ouais, si, on peut. Avec le chien. Ou rafistolage de combat. On améliore ça. Et ça fait une attaque qui fait 10 de saignement, 2 de dégâts. Amélioration, saignement plus très bien. Boum! Voilà, donc ça il paye. Esquive majestueuse. Ciblage impossible. Allié cible, d'accord. Ça permet de savoir, ok, d'accord. Action suffisante, coup de poing rusé, éclaireur, ok. Malédiction de pétrification. Cible 2 aléatoires ennemis. Étourdissement. Boum! Voilà, disparaissez! On leur dit. Boum, le chien qui attaque. On balance les dés. Ouais, on aime ça. On aime ça. La France! Boum! Regardez ça. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? Protège tes maîtres. Contre-attaque des dégâts 10. Oh, cool. Mignon, ça. Vas-y. C'est bien, c'est un bon chien, ça.
Lacération rapide, ok. Distraction, allié, provocation, armure 10. Ah, mais elle aura pas de dé d'esquive du coup. C'est bien ça. Ça c'est pas mal ça. Voilà, lacération rapide. On peut améliorer le caduceus pour faire un saignement de 10. Il payera. Elle ça la tue. Voilà, elle saignera au prochain tour. Cible en vue, vulnérabilité 37% supplémentaire. Contre-attaque, on l'a déjà. Esquive majestueuse. Voilà. Impeccable. Ciblage impossible. Claudette Popuchet qui ne peut pas être ciblée. C'est pas mal. Elle me maudit, c'est bien. Et lui... il maudit le chien. Et le chien contre-attaque. Voilà. On est déglingue là pour l'instant. Vas-y, Stroupi. Bouffe-le. On est tous full life. On est tous full life. Embuscade. Bah c'est gratuit. Allez. Bouffe. Voilà, j'ai fouillé les restes à la recherche d'objets utiles. Fouillé. Une flûte. Oh, ça remonte le moral, mais ça attire l'attention. Des esprits invisibles. Très bien, et en plus, ils ont deux totems maléfiques. Génial, génial, génial. Village en colère. Il envoie des groupes de guerriers pour venger vos actes. Ah. Bon, bah, c'est pas grave, ça. Si on en avait quelque chose à foutre de leurs opinions. Alors. Et tant que je sois promu, vous pensez pas? C'est vrai. C'est vrai que nous avons du poing et du pex. Elle est en colère. Ouais. Un tempérament explosif. L'amélioration, ça ferait quoi? Esquive majestueuse, force plus 16%, distraction et vie maximum, peut voler dans certains vieux, bonus d'évidence. Elle, ça soigne. Et amélioration maximum d'une face de son dé. Et c'est purge, d'accord, ça vure les trucs comme ça. Et on peut pas améliorer notre protagoniste vu que son niveau est lié au nombre d'esquives. Par contre, on peut améliorer le chien. On peut améliorer le chien. Et le chien, c'est imbloquable. Le chien, c'est fidèle. S'approcher du disque de pierre, allons-y. J'ai trouvé un disque ancien de pierre taillé dans le sol. Les indigènes ont dû le sculpter il y a des siècles. Mais il était maintenant oublié. Examinons. Il y a des bouts de cartes sur les étranges marques du disque. Je peux peut-être l'utiliser pour révéler ce qui est des choses cachées. Oh, et on peut révéler en étoile. Voilà qui a une grosse valeur. Wap. Ouais, donc malheureusement, on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé d'incroyabilis. C'est pas grave. On va escalader jusque-là. Et à partir de là, on fera un campement. Kai Cru, spécialiste des petits gibiers. D'accord, le chien, il chasse en fait. Waouh, c'est fort, hein. Ça dit en bas à gauche, donc il doit être là le truc. Forcément. Un peu de. Voilà. Jour de la flûte. Voilà. Remarquable. Il nous reste assez de chocolat, ouais, c'est bon. Génial, de la viande brûlée. Bah écoute, t'as qu'à cuisiner toute seule. Lieu inconnu, jungle dense. Et là, lieu inconnu, montagne. Donc ça doit être une caverne. Et ils nous poursuivent aussi, les indigènes en colère. C'est bien parce qu'il nous donne du loot. Moins cher que gratuit, si tu veux. Dans quel ordre on pourrait faire ça pour être... Bon. Let's go. Oui, il y a un Sherpa. S'approcher du sanctuaire. D'accord, je sais pas ce qu'il fait. Mais s'approcher du sanctuaire, très bien. Là, il y a quoi? Il y a l'air d'avoir du trésor, là. Let's go, hein. D'accord, si on est à la case à côté, on peut approcher le sanctuaire sans être obligé d'être en nom dessus. C'est bien. Je me tenais devant un temple construit en pierre. J'entendais le rugissement d'une eau agitée, comme si une immense rivière coulait sous mes pieds. Parfait, ça. À l'intérieur, il y avait une salle sombre. Un long couloir menait à la salle de l'hôtel. Chercher des secrets. Ça passe. Ça passe. Meilleur butin. Excellent. Sous quelques débris, j'ai découvert une trappe cachée dans le sol. En ouvrant, j'ai trouvé une seconde salle sinistre cachée sous la première. Rien ne m'échappe. Je suis entré dans le trou, atterrissant doucement sur mes pieds dans la pièce cachée en dessous. Je me suis retrouvé au milieu de ce qui restait d'un atelier de magicien détruit par une sorte de feu. Je pouvais peut-être récupérer des objets, puis tout. De totems, on prend tout. Allez, hop. J'ai trouvé une chose de valeur, on retrouve dans la salle de l'hôtel. Voyons voir ce qui s'y trouve, et examinons l'hôtel. Oh, que c'est juteux, miam miam. Merde, non, on va pas poser. Ah,
Ah, c'est too much. C'est too much. Je vais juste le déposer. Parce que là, on abandonne l'appel, je pense. Et on prend tout. On prend tout. Ouais, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien, ça. Parfait. Claudette a cassé la PTK. En surcharge. Laissez appuyer sur droite pour poser l'objet. Oui, je veux le jeter. Je veux jeter l'appel. Très bien. Excellent. Donc, Claudette fait la gueule. Mais en attendant, on s'est mis bien. En plus, ça va, ils vont se noyer du coup. S'approcher du marchand. Bonjour. Troquer les choses. À ma grande surprise, j'ai rencontré un marchand ambulant aux habits bariolés. L'homme a grogné sous le poids lourd de son sac contenant ses marchandises. On pourrait tenter de le voler. Hein. Attends, on va troquer d'abord. Trop con avant de tenter de le piax. Il a un flingue. Il a une corde. Déplacement dans les marécages. Ok. À équiper dans la main. Ah d'accord, c'est un objet équipable. Une patte de lapin. Elle n'a pas une patte de lapin porte bonheur. Elle n'a pas tant porté bonheur au lapin. Relancez un dé. D'accord. Muselière améliorée. Empêche votre compagnon de faire du bruit au moment inopportun. Utile pour pas se faire repérer. D'accord. Les bêtes et les bêtes de somme peuvent l'équiper. Une pelle, de la gnôle, sacoche à fumer pour échapper aux ennemis, seringue d'adrénaline. D'accord. Ça ressuscite les gens, ok. Premier secours. Poudre flash. Déjà, on a besoin d'un peu de gnôle parce qu'on va avoir besoin d'un peu de durabilité. Kit de métallurgie, on en parle. Ouais. Hein. Voilà. Est-ce que une trousse de soins, ça vous intéresse, monsieur? Oui, ça a l'air. Hein. On peut parler d'un vase ou ça. Mais, ah bah tiens, les appâts. On s'en sert pas. On s'en sert pas, les appâts. Flingue. Ouais, flingue, tu fais la gueule. Mais si je te file des totems à l'infini. Et genre une torche. Et genre un kit d'escalade. Mmh bébé. Un gros investissement. Allez, topé là. Affaire conclue, nous sommes repartis dans la nature sauvage. Attends. Petit pillage là. Hop. Voilà, respect. Qu'est-ce que t'as chopé? Des billes colorées, super. Simple comme bonjour. Excellent. Elle a volé des billes. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc je pense pas qu'on puisse aller à cette montagne inconnue vu qu'on se fait poursuivre par la flotte. Par contre, comment ça s'appelle? Utiliser notre dernier outil d'escalade pour ensuite accéder là. Je pense que là, on verra pas ce que c'est ça, dommage. Mais que voulez-vous? S'approcher des sources. Oh, des sources thermales. Mais en fait, si. En fait, si. Quelle beauté! Allez, on se pose dans la source thermale. Prudencia Clog est venue me voir durant la nuit. Elle m'a dit que Claudette Popuchet complotait contre moi. C'est mauvais signe. Surveillez vos arrières. Aïe. Décidément, c'est Clodo. Je peux jamais leur faire confiance. Et ce... Ah, les sauvages! Ils sont en train de mourir. Trop bien. Ce jour de repos a fait disparaître mes douleurs comme par magie. L'eau étincelait sous le soleil matinal. Debout, les filles! Très bien. Alors, par contre... le flingue direct. Et l'autre, la machette. Claudette, elle a rien du tout. Peut-être une torche. Non, ça n'a rien. L'agneau, non. Les billes, non. Le pot, non. Voilà, très bien. Ça. Très bien, ça. Quoique, attends. Quoique, en fait, c'est pas intelligent. Ce qui serait intelligent... Ouais. Ce serait de donner le flingue à la soigneuse, en fait. Parce que le couteau... Ouais. Achète. Voilà, très bien. Très bien. Bon, bah, et ils sont toujours indigènes en colère. Ouais, bon, bah. Oh, putain, ils sont nombreux en plus, hein. Putain, ils m'en veulent, hein. Ah, ils m'en veulent. On va essayer de s'approcher de là. Hein. Pas de raison. Et demain, inattendu, attaque surprise. Merde, elles ont eu en premier, c'est pas grave. Oh, ils ont des... Ouch! Ils ont des lances. Pas de panique. On peut quand même avoir l'avantage. Brise mâchoire. Plus de chances d'étourdissement.
Amélioration à fistolage. Boum! Voilà, stun. Ensuite, elle a le flingue. Tir compliqué. Boum! Attends une seconde. Relance les dés d'abord. Ouais, double morsure, c'est mieux que rien. Et là, ça rajoute un saignement à 9. Donc ouais, ça la tue. Ça la tue. Allez! Vendu! Aïe. Coupe tout le monde, c'est pas grave. C'est pas grave. On veut y croire. Ok, Caduceus, on peut soigner le chien. Voilà. Brise mâchoire, plus de chance, dégâts et saignement. Saignement plus 6 avec l'amélioration. 16% de chance d'astourdissement en plus, dégâts plus 11. Oh, c'est pas dégueulasse. Voilà, on assiste avec le chien, dégâts 20. Pow! Et en plus, il est stun. Vers le chien, dégâts 6. Mange-le. Voilà. Et derrière, on relance ce dé. Et ciblage impossible, on le relance. Distraction alliée, paraît très bien ça. Voilà, très bien. Pendant qu'on le plante. Oh là 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 là, la coup de machette. Il passe son tour, le sauvage. On se soigne parce qu'on est confort ici dans ce pays. Allez. Contre-attaque. Dégâts plus 16, d'accord. Attends, déjà, est-ce qu'on peut relancer tous les dés, s'il te plaît? Ah, d'accord. Gros tour. Bon, vulnérabilité ennemie, déjà. On l'affaiblit. Ensuite, on le mord. Et enfin, on le sniff. Protège tes mères. C'est vraiment le meilleur chien. Aïe. Voilà, contre-attaque, bien joué. Ça tue. Et ils nous filent des kits de métallurgie. Mais voilà, c'est de ça qu'on parle. Ils ont disparu. Montagne, cours en déplacement. 0. Attends, on peut y aller ou pas? Il est grand temps que je sois promu. C'est vrai, je suis d'accord. Bon, Claudette, t'as fait du bon taf, mais t'es pas loyal. Mange ça, le chien, il a chassé. Il nous faudrait un cuisinier, hein, j'avoue. Blessure. Promouvoir. Voilà, a été promu. Promotion niveau 2. Vitesse de soin accélérée. 40%, c'est bien. Melbawash, moi j'irais bien. Je suis blessé, mais. Ça peut s'infecter. Bon, ouais, j'ai pas de peur. J'ai pas de peur. Hop. Voilà, on utilise la trousse sur prudence. Voilà, s'approcher de la grotte. Impeccable. Jeter un œil à la grande grotte. De là où je me tenais, je pouvais discerner que l'obscurité de l'intérieur. Oh, j'ai une torche. Voilà. 6 sur 6, tu vois. La torche, en fait, garantit le succès. Voilà, très bien. En prenant en garde dans la pénombre, j'ai réussi à trouver un chemin sans trop de problèmes. Au fond de la grotte se trouve une belle caverne avec une impressionnante variété de champignons. Prendre des champignons. Champignons de régénération. 50% de chance d'échec. Hein. Prendre de l'eau. Fais le plein d'eau potable, c'est gratuit. Ok. Attendre un coup. Voilà. Attaquer un indigène en colère. Boum! Allez, mourez! Agression 63 et des boucliers. Il devient de plus en plus chaud. De plus en plus vénère. Hein. Tir rapide, 3 aléatoires. Dégâts 2, dégâts plus 4. Ça touche tout le monde, c'est ça? Ouais, on peut utiliser ça avec l'amélioration histoire de toucher tout le monde. Et ça fait dégâts 6 sur tout le monde, ça fait 18 points de dégâts, c'est quand même rentable. Boum! Ensuite, là par contre, attends, c'est quoi ça ce coup? C'est saignement plus 6. Ah, c'est dégâts de saignement ça. 10 de saignement, ça fait que 12. Alors que ça, ça fait 6, 9, ça fait plus. Ça fait plus. Donc déjà, on va commencer par se débarrasser de ce fumier. Rah! Euh...
Relance les dés. Laisse-moi croire. Et merde. Tant pis. Au moins, elle peut utiliser de provocation. C'est pas mal. Vas-y, provoque-les. Elle va s'en prendre plein la gueule, mais c'est pas grave, elle est pas loyale, elle est pas loyale. Subit 9 dégâts d'action à un tour, donc il va crever, il faut l'achever. Voilà. Il va crever, déjà. Vulnérabilité 35%, aïe. Vulnérabilité 70%, aïe. Étourdissement et 11 points de dégâts, ça va, c'est honnête. Ça, c'est plutôt bien passé. Protège tes maîtres, non. Caduceus, c'est pas mal. Quoique non, hein. tout ce jet là, il est immonde. Recommencez. Donne-moi quelque chose de mieux là. Un truc avec lequel je puisse me battre. J'ai rien, putain. D'accord, très bien. On va le saigner. Protège tes maîtres. Pour user des dégâts 7. Aïe. Saignement, il paye. Double attaque, contre-attaque. Et lui, il bunker down. Qu'est-ce que ça fait? Coup de pied, immunité étourdissement permanent, d'accord. Il s'est mis une protection contre l'étourdissement, ce qui est malin. Protège tes maîtres. Vulnérabilité avec dégâts 15. Paf! Bloc 14. Dans ce cas-là, il va falloir l'avoir au saignement. Ah, saignement, il peut pas le bloquer au bouclier, cet enfoiré. On est bien stratégiquement. Ouh oui, mais c'est bon ça. On peut se faire un giga soin Caduceus. Oh le confort. Miam. Dégâts 7, étourdissement 1. Elle a stun là. Et hop. Contre-attaque saignement. Contre-attaque du chien. Ouh, l'attaque critique qui fait masse de dégâts. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Relance tout. Chien, relance tout. Mieux que rien, c'est mieux que rien, ok. Voilà, 20 dégâts, plein d'étourdissements, mais c'est pas grave, c'est le 20 dégâts, voilà, qui m'intéresse, c'est la gifle. Le chien. L'infirmière avec le flingue. Oh là là, ce tir. Ce tir, regarde-moi ces indigènes. Ah bah merci, odeur animale, pour éviter les attaques sauvages. Ah cool. Fort aimable. Mais c'est bien, hein, ils viennent me livrer du merdier eux-mêmes, si tu veux. Moi, je... Zéro plainte. Hein. Ça coûte 40, aussi cher d'y aller que pas. Ok, très bien. Allons-y. Première expédition, hein. S'approcher de la pyramide. Là, on n'a pas de level supplémentaire, voyons voir. Bon. De déplacement dans le désert 5, on a deux kits de métallurgie, un peu de trucs, on a des champignons hallucinogènes. Yael, elle est pas contente, mais elle s'est bien soignée, donc elle est bien full life, quasiment. La pyramide, c'est la victoire! Miss Troopy MVP! La grande pyramide était devant nous, scintillante à la lumière du soleil. Elle commençait à tomber en ruine, mais elle n'en perdait pas pour autant sa majesté. Pénétrar! Elle est en or! Mais je sais pas ce qu'elle a vu. J'ai exploré les chambres vides et caverneuses de la pyramide pendant des heures. Je m'émerveillais devant toutes ces surfaces lisses. En avant! La pyramide s'illumine! Ouh! Hey! Hey! Ah putain! Hey! Ben voilà les filles, c'est comme ça qu'on fait! Provisions à portée, mais oui, mais oui, mais oui! Oh là 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 là, et ça remplit pour la renommée totale de la campagne, d'accord. J'ai gagné 4 timbres. Oh les trésors. Oh les trésors. Récompense d'expédition, provision et trésors apportés, d'accord. Ok, ok. Wouh. Nouveauté débloquée, bâton assommant. Le pouvoir de la foudre dans un bâton, la solution moderne face aux armes de mêlée primitives. Ah. Je vais essayer un bonus. Relancer des dés au combat. Intéressant ça. Donne des champignons au début de chaque nouvelle expédition. Ok. Réduire le coût de déplacement dans le désert. Voilà. De retour à Paris, un enfant des rues m'a remis une lettre de la part de Malin. Je devais la retrouver dans son bureau près de la taverne de la boussole cassée. Ouais, allons-y.
Je suis entré dans le bureau de Victoria à l'heure convenue, où elle m'attendait impatiemment. En lui racontant mon voyage, je voyais ses yeux briller d'enthousiasme. « J'ai des nouvelles pour vous !» Elle m'a pressé de questions, désireuse de connaître chaque détail de mon expédition. De nombreuses heures sont passées avant qu'elle ne soit satisfaite. « Une culture différente sur chaque île ? Fascinant ! On n'en a visité qu'une, madame. Oh !» Ce chien est incroyable, ce Snoopy. Ce truc à tête de poulet, mais vraiment le design. Victoria a fini par me révéler qu'elle avait rassemblé des rapports et que la machine... qu'elle avait rassemblé des rapports et que... La machine trouvée sur la première île semblait d'une importance cruciale. Elle devait partir, mais elle m'a donné une poignée de billets d'expo. Ici, ils valaient autant que l'or. Ils sont très utiles dans les clubs d'explorateurs. 12 billets d'expo. Je sais pas ce que ça vaut, mais on peut recruter ? Let's go ! Ouais, let's go ! La cuisinière ! Ah, ça par contre, c'est essentiel quand t'as le chien, avec toi. L'interprète, Seija. Permet de baisser les prix. Elle a des dés de défense, diversion bouclier, échange rusé, dupliquer un dé. C'est fort, ça. Interprète, gifle insultante, coup au moral, cuisinière, attendrissement de la viande, crise du chef, tout ennemi, vulnérabilité maximale. Ah, Gabriel Geneviève Hugo. Hein. Santé mentale et viande cuite plus 2. Claustrophobie, a peur des endroits clos. Merde. Non, choisir une autre truc, j'ai pas fait gaffe, mes excuses. Interprète, qu'est-ce qu'il a lui ? Bipolaire ! Fait preuve d'une humeur changeante, passant d'une extrême loyauté à une extrême déloyauté. Commerçante, Rome. Ah, j'avoue qu'une roumaine. C'est un peu imbloquable, hein. Let's go. Voilà. Elle m'a souri chaleureusement et s'est inclinée, faisant cliquer ses bijoux. Je lui ai souhaité la bienvenue dans l'équipe. Fantastique. Ensuite, je peux aller à LuxLab. Let's go! Eddiebot, l'automate qui représentait Edison à Paris, m'a platement accueilli au club. Il m'a indiqué que les portes du club me seraient toujours ouvertes. Ce robot absolu. Avez-vous rendez-vous? Je suis toujours accueilli ici. Rendez-vous. Très bien. Il m'a invité à jeter un œil au magasin du club. Il n'y avait pas grand-chose à vendre, mais avec le temps, je pourrais avoir plein d'objets utiles. Personnage à recruter. Ah, débloquable au rang du club. C'est comme ça que ça marche. Objet à équiper, débloquable au rang du club. Disponible au magasin du navire. D'accord. Bâton assommant, j'avoue, c'est stylé. Hein. Et ça me coûte 7 tickets. Non, 10 tickets. Il y en a pour 10 tickets. D'accord. Ou 100 pièces. Ça vaut 100 pièces, mais c'est 10 tickets. Ouais, écoute, let's go. J'étais certaine de ne pas regretter cet achat. Améliorer votre équipement. Pour 4 tickets, je peux l'améliorer. Non, 3 tickets. Couteau de chasse level 2 avec une lacération. Revolver ornemental niveau 2. Tir compliqué, dégâts 9, plus 9. M plus 5, tir rapide où ça touche tout le monde. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Lacération de l'artère, amélioration de saignement. Donc 17 de saignement, c'est fort. Et le bâton choc déroutant, choc douloureux. Dégâts sur soi 4, lol. Allez, ça me coûterait 6 tickets d'améliorer le flingue, mais le flingue. Amélioration du flingue, allez. Voilà. Super. Fort aimable. Eh ben, super. Et donc, tous ces tickets servent à ça. D'accord. Les clubs d'explorateurs me sont ouvertes. Cours des succès. Je pourrais leur rendre visite et voir à quoi servirait ces billets d'expo. Vous pouvez voir l'académie Taichi. Qu'est-ce que vous proposez ? Entraîner un personnage. Ah, il propose d'améliorer les persos. Tout s'explique. Magasin du club. Donc là, c'est une épée. Débloquable. D'accord. Donc effectivement, il faut bourrer les plaies-trous, si tu veux. Et enfin, associé à Avalon, qu'est-ce qu'il propose ? Soigner une affliction. D'accord. Magasin du club. Disponible au magasin du navire. Oh, le bâton de randonnée amélioré. Débloquable au club 6. Malheureusement, j'ai pas assez de tickets, mais voilà. J'avoue, c'est stylé. Hein. Tout ceci est très stylé. Hein. Mais du coup, boussole cassée, ça c'est juste pour machin. Choisir une expédition. Eh bien écoutez, je crois qu'avec ça, on a une belle présentation du jeu. Je veux juste voir un petit peu ce qu'il propose. Mesure et triangulation, 65$ de budget dans une île aride. Et l'orchidée arc-en-ciel, ramener l'orchidée arc-en-ciel au navire. Oh. Oh. Oh, Moshilo. Oh, Moshilo Daisy. Et je fais ça pour qui? Ah, je peux encore choisir pour qui je fais ça. Mais c'est génial. C'est génial. On va continuer à bosser pour LuxLabs.
Comme le veut la tradition, je suis allé au bar la veille de mon départ en mer. Je profitais d'une soirée plaisante au bar lorsque j'ai remarqué un homme plutôt imposant crier de joie. Il levait les mains en l'air en signe de victoire. Cet homme venait de remporter un bras de fer et chercher son prochain adversaire. Après quelques instants, son regard a croisé le mien. Oh, j'ai bu un verre de rouge! Un bras de fer, ça vous dit? Se frayant en chemin jusqu'à ma table, il m'a proposé un duel. Il pariait de l'argent. Mise en frame! Oh, let's go! Mais oui! J'ai déjà combattu des hyènes, je peux bien ridiculiser un clodo! Sans offense, Claudette. Pas d'offense, pas d'offense. Après une lutte acharnée, j'ai écrasé sa main sur la table avec fracas. Il s'est levé furieux, a jeté mes gains sur la table et a quitté la pièce à grands pas. 15% de budget en plus. Les clients du bar m'ont acclamé, ils m'ont offert verre après verre jusqu'à ce que je regagne mon navire d'un air peu assuré à l'aube. Le chien. Ah mais c'est garanti! Vous conservez après l'expédition les objets à équiper que vous avez trouvés. Ah, ce qui veut dire qu'on ne transporte plus les ressources d'une île à l'autre. Ah, d'accord. Acheter de l'équipement. Oui, vous avez vu, j'ai tout perdu. Utilisez l'objet marchandage de la commerçante pour réduire les objets. Il est où, marchandage? Ah, il est là, marchandage. Période de réduire de 2. Ouais, très bien. Excellent. Fusée Coston, elle réverbère les zones, mais attention avec les matières inflammables. Tonifiant de vigueur. Tonifiant de clairvoyance, la gnoule, le chocolat, les torches, trousse de premier secours. Non mais voilà, c'est garanti. Eh bien écoutez, Curious Expedition 2, braves gens, disponible avec des bonnets péruviens sur Steam. N'hésitez pas à cliquer dans le lien sur la description pour voir le jeu, l'acheter et y jouer, y prendre plaisir. L'acheter, y jouer et en jouir, braves gens. Le plaisir en tout cas qui est là. Le jeu sera bientôt disponible sur Xbox, PlayStation, Switch, ColecoVision et sur la tablette de votre frigo, pour ceux qui ont des frigos avec des écrans, si tu veux, disponible sur Tesla. C'est pour ça. Merci en tout cas à Machine et Mensch, ou plus exactement les hommes de la machine. Voilà. Et à Thunderful Games de m'avoir offert cette OPSP. Je vous fais de gros bisous à tous. Prends la gnôle, c'est tout, ça coûte combien ça? 5, 6, moins 50% à utiliser pelle, une torche, j'ai pas de torche? Tu prends une torche? J'ai pas de torche, voilà c'est bon, impeccable. Gros bisous à tous, merci infiniment. Oh putain, on sera dans les déserts, sera ravitaillé en eau. Voilà. Ouais. Voilà, très bien. Voilà, excellent. On est prêt. Je vous fais de gros bisous à tous. Et je vous dis à la prochaine. Let's go! Récupérer de l'orchidée arc-en-ciel. Let's go! Fais voir. Ouh, boy! Ouh, boy! Ouh, ho, 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 ho! Ça commence bien. Au repos pendant 9 milliards de jours, risque d'attention 100%. Donc ils sont là pour me casser la gueule à la seconde où j'ai récupéré la fleur. Ça déconne zéro. Merci infiniment, gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, zou. Oh là là là. Let's go, expédition. Oui, c'est exploradon, voyager. Oh là.